Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, grands et petits. Là, donc, nous allons continuer, bien sûr, l'avancement de la construction du Maria Magdalena. Vous allez voir dans cet épisode, donc, on va bien voir l'avancement de la coque, spécifiquement sur la coque, et bien sûr, le pont. Alors, là, j'ai donc poncé à nouveau la coque et vous allez voir que j'applique à nouveau une couche de peinture noire au rouleau et puis par la suite vous verrez que je vais de nouveau poncer, bien sûr. Alors là vous allez voir que les phases sont accélérées puisque entre temps il y a le séchage, donc j'accélère les phases de, je dirais, différentes phases de travail, et bien sûr je raccourcis un peu les films de manière à ce que le film ne soit pas trop long. Je me répète. Donc là voilà, vous voyez, j'applique au rouleau à nouveau une couche de peinture noire sur l'ensemble de la maquette, donc en tout cas de la coque. On peut voir, on aperçoit les parties qui ont été remastiquées à nouveau puis poncées. Alors vous verrez par moment c'est en accéléré pour éviter d'avoir, je dirais, des films trop longs, et afin que vous, de votre côté, vous puissiez voir l'avancement du modèle réduit. Donc là, j'essuie un peu en peignant, il y a des petites coulures qui se font en dessous puisque la coque est retournée, et j'essuie la peinture, l'excès de peinture qu'il peut y avoir en tout cas, et aller sur le pont. Voilà, donc vous voyez, là c'est en accéléré, donc j'applique la couche de peinture noire sur l'ensemble de la coque. Alors bien sûr là vous voyez c'est au rouleau, et comme je vous le disais dans les épisodes précédents, la coque est bien isolée et étanche puisqu'il y a plusieurs couches de peinture, ce qui fait que celle-ci est bien étanche, étant donné que la coque, comme je vous disais, est en carton, entièrement en carton, bien sûr avec le mastic, mais celle-ci peut être vulnérable à l'eau. Donc avec les nombreuses couches de peinture que j'ai passées, celle-ci est donc étanche et bien protégée. Donc là, l'application de la peinture sur les différentes phases. Alors bien sûr, des fois, cela se superpose puisque j'ai fait un croisement d'images. C'est pour vous montrer les différentes phases de travail qui sont appliquées au fur et à mesure. Vous voyez, c'est en accéléré. Et là, vous voyez apparaître une image où, maintenant, bien sûr, il y a eu la période, j'allais dire non, la phase donc, pardon, de travail sur laquelle la peinture était sèche, donc j'ai repensé à nouveau avec le papier de verre à l'eau, et maintenant j'applique la peinture au pinceau. Voilà, et bien sûr par la suite vous verrez, une fois que tout l'ensemble de la peinture sera bien sec, voilà, là nous pouvons voir, vous voyez, celle-ci est même lustrée, donc c'est ce qu'on obtient avec bien sûr, en passant la peinture au pinceau, on a une couche bien plus lisse qu'au rouleau. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Et vous allez voir que, à nouveau, je vais donc poncer la peinture, toujours au papier de verre à l'eau, mais cette fois-ci avec du papier de verre le plus fin possible. Et bien sûr, à nouveau, appliquer une couche de peinture par la suite. Voilà, vous voyez, là je suis donc en train de poncer la coque et bien sûr nettoyer au fur et à mesure les coulures qu'il peut y avoir, et après vous verrez avec du papier sopalin tout simplement essuyer pour que la peinture ne reste pas humide, laisser sécher, donc bien sûr que tout l'ensemble sèche, et par la suite donc repasser à nouveau une couche de peinture. Voilà, donc là vous voyez, dans cette phase je nettoie et je finis de poncer la coque, donc l'ensemble de la peinture.
Donc là, je suis en train donc d'éponger et d'essuyer, bien sûr, avec du sopalin, je dirais, les parties humides qui peuvent rester sur la coque, afin que ceci ait le temps de bien sécher et par la suite pouvoir passer à nouveau une couche de peinture supplémentaire, bien sûr. Voilà, vous voyez, donc là j'essuie bien l'ensemble de la coque. Vous voyez, en même temps ça enlève, je dirais, les parties de peinture qui sont poncées, donc ça fait toujours, même que c'est du ponçage à l'eau, une espèce de petite couche. Donc ceci étant bien essuyé, par la suite ça me permet de repasser ma couche de peinture. Et là voilà, donc bien sûr l'ensemble a bien séché et j'applique à nouveau une couche de peinture, toujours au pinceau, et ce sur l'ensemble de la coque. Alors comme vous pouvez le voir, bien sûr c'est en accéléré. Et là je viens donc croiser la peinture, on le voit sur l'image en double qui se superpose. Je croise la peinture avec le rouleau. Et je finis de peaufiner, je dirais, certaines parties avec le pinceau. Je regarde s'il peut y avoir éventuellement des petits manques au niveau de la peinture. Ça pourrait arriver. Je prends soin de toujours bien refermer mes pots de peinture pour que celle-ci ne reste pas, ou qu'il n'y ait pas un petit filet d'air, et cela me sécherait. Donc celle-ci, ce serait embêtant. Donc voilà, là je fais un zoom sur l'ensemble de la coque, et comme vous avez pu voir sur la photo qui se superpose, l'image qui se superpose en tout cas, je l'ai donc posé à nouveau sur, bien sûr là ça a séché, la peinture a séché, donc je l'ai posé à nouveau sur son berceau et je vais pouvoir travailler à nouveau sur le pont. Donc il va falloir que je ponce celui-ci, vous allez voir il y a quelques petites coulées de peinture qui sont donc venues se poser sur celui-ci, vous voyez. Je vais donc poncer l'ensemble du pont pour pouvoir passer par la suite une couche de vernis à nouveau. Là j'ai donc positionné le portique, vous voyez, la maquette commence à prendre forme au fil et à mesure donc de l'avancement, bien sûr, et vous avez pu voir ceci au travers des différents documentaires que j'ai fait sur la construction de mon modèle réduit. Donc là je fais un petit tour d'horizon, je dirais, de la maquette. Je vais mettre en place également la plage arrière, vous voyez. Voilà, la plage arrière étant finie également, je viens la positionner pour vérifier que tout l'ensemble passe bien à tout point, à tous les niveaux, je dirais, vous voyez, parce que derrière c'est pareil, il y a un petit espace, je dirais, entre la plage arrière et le portique, et donc tout ceci s'emboîte correctement. Là je finalise la peinture donc sur la poupe. Donc c'est toute la partie intérieure où va se positionner l'escalier. Vous verrez par la suite sur les autres épisodes, je dirais, sur les autres documentaires qui vont suivre. Toujours bien reboucher mes pots de peinture. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'image qui se superpose, je suis en train de poncer l'ensemble du pont pour enlever les petites coulures de peinture qui ont pu
se mettre en tout cas sur la partie vernis. Voilà, donc là je ponce l'ensemble du pont et vous allez voir par la suite, je vais appliquer à nouveau une couche donc de vernis et au rouleau bien sûr. Bien sûr, avant d'appliquer le vernis, je vais devoir dépoussiérer l'ensemble du pont, puisqu'en ponçant automatiquement, cela fait un peu de poussière. Voilà, donc là, je vais zoomer afin de pouvoir vous montrer le travail qui a été effectué au niveau du pont. Vous voyez l'ensemble des taches qu'il y avait dans de peinture noire sont parties et là en accéléré on voit que j'applique bien sûr la couche de vernis sur le pont. Et bien voilà chers amis, nous sommes donc arrivés à nouveau au bout de ce petit documentaire. J'espère que celui-ci vous a intéressé tout comme les précédents. Je vous remercie à toutes et à tous, grands et petits, de suivre mon émission. En tout cas, c'est très gentil à vous. Et je vous donne donc rendez-vous pour les prochains épisodes. Et puis à nouveau, bien sûr, sur ma chaîne, pour ceux qui vous intéressent. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous à nouveau, comme je vous le disais, dans les prochains épisodes. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et donc, au revoir. We'll be right back.